Eh bien, heureux, les amis. Alors, la dernière fois, on s'est lâché parce que j'avais pas rempli les conditions pour ouvrir les portes. Là, on se retrouve pour une porte. C'est parti. L'épreuve du légionnaire Carif est terminée. Zizi. Vous êtes digne. Entrez, aspirant. Du coup, en fait, si on veut ouvrir les portes, vous n'avez pas le choix, il faut aller dans le mode libre et faire un peu tout ce qu'il y a, les événements, ouvrir des coffres, récolter des ressources, tout et n'importe quoi. Je fais quoi maintenant? D'après Faye, il faut saluer le gardien. Va donc lui rendre hommage. Bien, une de moins. Le poids. Ok, ça, ça en fait une. Maintenant, on va aller faire les autres. La seconde porte, celle du maître épée, apparemment. L'épreuve du légionnaire Ganis est terminée. Vous avez réussi. Gardien a été salué. On est à mi-chemin. Nice. On se retrouve pour les autres. La troisième porte. Vous avez passé l'épreuve de la légionnaire Artinia avec succès, aspirant. Entrez. Nous ait filé une info fiable. Aspirant, vous avez passé l'épreuve. Voilà la dernière tombe. Faye a un mot à dire. Attends, je la connecte. Bon travail. Reviens à Fort Tarsis, qu'on réfléchisse à l'étape suivante. C'est là que ça devient intéressant. Allez, go! Maintenant qu'on a profané les quatre tombes, on peut aller voir Freya. Juste un petit truc. Le succès de l'enclave doit être partagé, pas vrai? On va tous ensemble faire le boulot, c'est ça qui compte. Bonus de contribution de contributeur hebdomadaire. Ouais. Dans un jeu. Ok. Je suis échelon 4. Ah, Kev! Je comprends. Je comprends pas trop ça là, pour contribuer et tout ça, bon on verra. Par contre, par rapport au truc quotidien hebdo, prouesse remportée, ok. Dans 2 heures, merde. Ok. Et lui. Ok. On va lui parler. Dis donc, tu t'en sors vraiment bien? En général, tu veux dire, ou... Owen a la frime facile. Mais c'est bien mérité, pas vrai? Formule mon équipe. J'aurais pas pu le faire sans Owen. Continuons comme ça, et on parlera de nous partout dans Bastion. Tu redors notre blason, on reçoit plus d'offres. J'ai créé un code couleur pour les registres. C'est splendide. Et toi, des missions marrantes? En dehors de la paperasse, je veux dire. Tu te souviens du boulot qu'on a accepté, les gars et moi? Le coup de la faune locale. Ça a donné quoi? On s'est rendu sur les lieux parce que le fort avait signalé la perte de contact avec des sentinelles dans les parages. C'était calme. Tout le monde la fermait, mais comme on voyait pas la patrouille, on avait tous la même idée en tête. Dis-moi que ça s'est bien terminé. Bah, carrément.
Les sentinelles étaient retranchées dans une grotte, encerclées par des scorpions. Du coup, on les a dégommés un par un. Et là, le bleu de la compagnie avec la visière en morceaux nous dit qu'il a des explosifs. Alors j'ai éloigné les scorpions pendant qu'il les armait. Et je sais pas pourquoi, au lieu d'avoir une explosion, on a eu un incendie. Il a fallu faire avec. Mon souvenir après ça, on ramenait les sentinelles et le bleu expliquait à Vale pourquoi il lui manquait une moitié de sourcil. Au moins, tu t'en souviendras. Sans ton conseil, ça aurait pas été possible. Mon petit doigt me dit que la mission aurait été intéressante de toute manière. Ouais, on peut jamais savoir à l'avance. Ouais, à plus tard, Jack. Ouais. En tout cas, il s'entendra bien avec l'autre PNJ, la L, là. Qui a un sourcil mal équilibré. Putain, tu me stresses. Il est plus gros. Bon, vas-y, hop. Dis, j'aurais besoin d'un conseil par rapport à mon petit problème de régulateur. Ton problème de j'ai perdu mon javelin pendant une partie de cartes, tu veux dire? Oui, voilà. Donc, j'y suis allée pour leur proposer une sorte de marché, comme on avait dit, tu vois. Ils t'ont écouté? Au début, on peut dire ça, oui. Je déblatérais sur tous les trucs de valeur qui n'attendaient que d'être découverts au-delà du mur. Des tonnes, tu vois de quoi je parle? Ouais, et ils ont dit quoi? Ils ont insisté sur le fait qu'ils voulaient mon exo et qu'on ne pouvait pas faire confiance aux freelancers. Une bande de criminels notoires a dit qu'on pouvait pas faire confiance aux freelancers? C'est là que la situation m'a complètement échappé. Et tu as... déclenché une bagarre? Carrément, ouais. Contre des membres d'une organisation criminelle? Seulement quelques-uns. J'ai probablement aggravé la situation. Ouais, bon, je sais pas trop. J'aurais dit oui, mais bon. Peut-être que ça va s'arrêter là. Ou alors, les problèmes font que commencer. Je suis un aimant à ennui. Tu t'attires souvent ce genre de problème? Non. Enfin, si. Si quelqu'un joue au plus malin, je peux pas m'empêcher de faire pareil. Une sentinelle de passage s'est retrouvée impliquée. Peut-être deux. Mauvaise décision. Et maintenant, il se passe quoi? J'imagine que je pourrais arranger un rendez-vous avec un gros bonnet quelconque pour essayer de régler ça. C'est un coup risqué. Fais ça le plus tôt possible, d'accord? Oui, d'accord. Tu veux m'accompagner? J'étais sûr, putain. Ouais. Invincible ensemble, pas vrai? Top. Toi et moi, la star, on va casser des bouches. On va rien casser du tout. On serre des mains, on arrange le coup. Point barre. Ça va, je rigolais. J'ai deux, trois trucs à faire avant, mais... Fais pas traîner cette situation, Riz. Règle ça vite. Oui, bien sûr. Je te tiens au courant. Putain. Moi, je l'aurais laissé galérer. Elle est folle, celle-là. J'ai rendu hommage à tous les gardiens. Et maintenant? J'ai parcouru les fragments de texte de la légionnaire Liatrel que Zim nous a donné. Une grande partie reste illisible, et le reste ressemble à une sorte de code. C'est typique de la Légion de l'Aube. Si j'ai raison, ce dernier emplacement devrait être celui qui nous intéresse. Cette fois, je te couvre. On y va quand tu veux. Ok. Ne fais pas. Je suis sûr que je peux t'épauler sur le terrain aussi efficacement qu'Owen. Ok, Crenshaw, il veut pas nous parler. Ah ah. Premier crypteur. Ah, elle est là. Bonjour. Merci de vous arrêter dans mon magasin. Oh, okay, elle est mignonne. Nous avons tout ce qu'il faut pour transformer un bon javelin en excellent javelin. Normalement. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez? Une sélection des meilleurs matériaux de fabrication de Fort Tarsis. Rien de moins. Vraiment? Je vous le garantis. Vous savez pourquoi? Parce que notre principal concurrent vient de mettre la clé sous la porte. Pourquoi ça? Je débute dans tout ce qui touche au régulateur, mais mon oncle Vonny a dit qu'on leur avait fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Je m'appelle Saïrna, et je suis la gérante. C'est quel genre de boutique? On vend des composants et des alliages. Il arrive qu'on ait d'autres articles. La boutique s'appelle chez l'oncle Vonny, et elle appartient à ma famille. C'est bon à savoir. N'oubliez pas que si vous voulez de la qualité, c'est chez nous qu'il faut passer. J'espère que vous reviendrez nous acheter quelque chose. Ah, elle est mignonne. Bon, on va voir ce qu'elle vend. Joli timing, nous venons de recevoir d'excellentes marchandises. Elle a une, y'a quoi? Ok, ça, ça change pas. Fabrication. Ah, mais c'est pareil que l'autre.
5000 pièces d'or. Bah, c'est quoi la différence avec le vendeur de tonnerre? Il Mais paraît que vous voilà, avez aucune. été rendre visite à la princesse Zim. Elle est gentille et c'est une cliente fidèle. Il y a tellement aucune différence que c'est elle qui vient de parler là lorsque je suis allé voir lui là. Bon, ok, c'est pareil. On n'a pas de temps à perdre. Connexion établie. Ça me fait bizarre de refaire ça. C'est comme tomber du haut d'un mur. Tu te rappelleras comment on fait sans problème. C'est pas ce qu'on est censé faire avec les murs. Je te transfère les coordonnées. On y va, Owen. Tu veux participer aussi? Non, non. Vous savez ce qu'on dit sur les crypteurs? Un, ça va. Deux, c'est déjà trop. C'est pas comme ça qu'on dit. Owen. Bon, bah je rejoins l'amplificateur alors. Bon, on va finir par y aller, oui. Où est-ce qu'on va? Le tombeau du général Tarsis. Vraiment? Tarsis elle-même? C'est mon troisième. C'est bien ça. J'espère qu'on trouvera son javelin enterré avec elle. Le javelin de l'aube. Tu connais la légende du général Tarsis et de la montagne? C'est un conte pour enfants. Elle affronte un monstre venant d'une tempête et vole sa voix pour fabriquer une épée. Oui. Mais on sera tous d'accord pour dire que le Maelstrom est un monstre. Tu marques un point. Tu devrais plus être loin du tombeau. Je pense vraiment que le monstre que le général Tarsis a combattu était le Cénotaphe. Honnêtement, j'ai hâte de le découvrir. Je détecte des transmissions du Dominion dans la zone. Prudence. Et ouais, premier arrivé, premier servi. Faut faire attention. C'est pas parce que personne n'a réussi à le trouver toutes ces années qu'il est vide. Je vais prendre tous les tous les messages secrets là. Mon équipe a découvert une porte verrouillée droit devant. Le mécanisme de commande ne doit pas être loin. Ok, mécanisme de commande. Voilà les commandes de verrouillage. Regarde ce que tu peux faire.
Ah, ok. Donc c'est étoile. Ah ben il a réussi. Preuve de respect, tu es en présence du général Tarsis. Et joue l'Entello du coup. Je vais faire ce que je peux. Là on a l'étoile. Là-bas on a encore une étoile. Ça doit être étoile et étoile. Tu devrais inspecter un peu cette salle. Il pourrait y avoir des indices par là. Carré. La porte s'ouvre. Bon travail. Ah, en fait, ouais. Faye, aucun signe de javelin, mais je crois qu'on a trouvé le général Tarsis. Ils ont marqué sa tombe avec son signet. L'ancien est jusqu'au bout. Vraiment le sien. Vous savez ce que ça veut dire? C'est peut-être la clé de la forteresse de l'ombre. Faye, je crois qu'on a un problème. C'est une projection très puissante d'un crypteur. Freelancer, ravi de vous voir. Qu'est-ce que vous voulez? Comme vous, je veux son javelin. Celui qui a conquis le Maelstrom. Pourquoi? Vous aimez l'histoire, c'est ça? Quelqu'un se doit de reprendre son œuvre, et je mérite de perpétuer son héritage. S'il veut gagner du temps, on va s'en servir. Fais-le parler tant que je pirate les transmissions du Dominion. Vous vous prenez pour le nouveau général Tarsis? Eh bah, je savais pas que le Dominion pouvait délirer à ce point. Rien ne nous oblige à être ennemis. Vous croyez que le Cénotaphe m'apporte, ou même le Maelstrom? Tout ce que je veux, c'est l'hymne de la création. Imaginez tout le bien qu'on pourrait en tirer. Nous pourrions créer un futur idéal. Imaginez disposer d'un pouvoir de création pure, plus important que celui du général Tarsis. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'avenir des habitants de Bastion. S'ils vous sont si précieux, gardez-les et donnez-moi le javelin de l'aube. Un vieux javelin rouillé contre toutes ses vies. C'est généreux, vous ne trouvez pas? Il cherche ta position.
J'ai repéré des soldats du Dominion dans la zone. Non, jamais je ferai ça. Dégagez de ma vue. Les forces du Dominion sont déjà dans le combo. Dépêche-toi de sortir. Tu dois pas perdre le signet. Le tombeau semble calme, mais il y en a d'autres à l'extérieur. Ils abandonnent jamais, hein.
Une partie de ton équipe a percé la ligne du Dominion. Tâche de la joindre. J'avoue que je pensais pas rencontrer autant de problèmes. Je m'attendais à des animaux dangereux, peut-être des Scars. C'est la deuxième fois que je tombe sur l'observateur. Je crois que j'aurais préféré combattre un Ursix. Une partie de l'équipe est retournée à l'Arpenteur. Il est temps de rentrer. Je pensais pas que tu t'en sortirais. Apporte ces supports en cockpit et verrouille le panneau de commande. Amplificateur sécurisé. Les commutateurs. C'est bon, je m'en suis occupé. On dirait que tu sers à quelque chose finalement. Et je parle pas de l'observateur que t'as mené droit sur nous. Attends, t'es sérieux? Elle est bien bonne celle-là, n'importe que. Le cockpit est sécurisé. Ce boulot est déjà assez dur comme ça sans pour autant les avoir sur notre dos. Comme si c'était de ma faute. C'est toi que l'observateur pourchassait, pas moi. Et sans nous, tu n'aurais pas trouvé le signet du général. Avoue-le, t'avais besoin de moi. Et ça n'a pas changé. Besoin de toi? Je n'ai besoin de personne. Assez, il y a plus important pour l'instant. Ce qui intéresse l'observateur, c'est l'hymne. Fait. On croit que le Dominion convoite le pouvoir du Cénotaphe, mais le Cénotaphe n'est rien. L'hymne de la création, voilà ce qui compte. Celui qui le contrôle, contrôle tout. D'accord. Mais à quoi ça pourrait lui servir? À quoi pourrait lui servir ce pouvoir ultime de création et de destruction? À devenir un dieu. Faye, que l'hymne en soit capable, c'est une chose. Encore faut-il trouver comment. Personne ne peut contrôler l'hymne. Si les démurges ont échoué, le Dominion échouera. Écoutez-moi! Il l'a entendu. J'en suis certaine. Sa voix le trahit. Je le sens. Il ne s'arrêtera pas. Pas avant d'avoir tout compris. Je le sais, j'en suis sûr. Bon, ok, vous savez quoi? Il y a au moins une chose sur laquelle on est tous d'accord. C'est que ça devient salement dangereux par ici, pas vrai? Et comme le cryptage, c'est Faye qui s'en occupe, eh ben... Bah, je pourrais vous suivre sur le terrain pour vous couvrir. Owen. Et ce vieux javelot, là? Je pourrais carrément le piloter. Non. Non. Ça, c'est le mien. Du sur-mesure. T'arriverais même pas à marcher avec. Mais je pourrais carrément... Non! Tu sais rien, tu ignores tout des effets du Maelstrom. Je m'en sortirai. Vraiment. T'as déjà combattu à l'extérieur? Les Scars, les Chimères. Je peux apprendre sur le tas. Owen, tu te souviens du désastre chez Zim? T'as failli y rester. Laissez-moi au moins essayer. Tu es un crypteur. Presque tous les crypteurs qui ont approché cette tempête ont perdu l'esprit. Si on te confie un javelin et qu'on essaie d'atteindre le Cénotaphe, tu vas tous nous faire tuer. Ce n'est pas le moment. Ok. Compris. Manquez plus que ça. Laisse-lui le temps. C'est à lui d'apprendre et de se fixer ses propres limites. Ouais, j'imagine. Bon, écoute. T'avais raison. À quel sujet, au juste? Pour être sincère, je pense que je ne suis pas prêt à affronter tout seul les lanciers du Dominion. En même temps, je ne sais pas qui pourrait l'être. On a besoin de toi pour réussir. Alors bienvenue à bord. Alouk, je... Merci. Je vais faire chauffer l'arpenteur. Passe me voir quand tu seras prêt.
Et maintenant, la forteresse de l'aube? T'as toujours 10 coups d'avance. Je t'écoute. Je peux utiliser le signet du général Tarsis pour débloquer les portes. Ses connaissances sur les cénotaphes doivent se trouver à l'intérieur. Et son javelin aussi. Ce vieil Ixo, il peut vraiment nous faire traverser le Maelstrom? Ça se tente. Tu veux que je fasse quoi? Que je reste assis dans un coin à faire de la figuration? Guette l'arrivée de l'observateur. Et si il se pointe? Personne ne doit entrer dans la forteresse à part nous. Je ferai en sorte qu'on puisse accueillir tout ce qui se présentera. Bah, bon courage. Owen, hey. Salut, ravi de te voir. T'es de bonne humeur? Lèbre, les gens parlent de nous. De moi, et de moi et toi, et puis de Faye, Alouk. Attends, t'aurais pas un peu bu? Non, je ne bois pas. Je savoure juste ce sentiment nouveau de... Célébrité? De changement. Et même d'espoir. Mais j'avoue, ça me plaît bien d'être connu. Je me sens enfin chez moi à Tarsis. Ça me fait plaisir de te voir heureux. J'ai fini par apprécier les gens d'ici. Ils m'aiment bien et je les aime bien aussi. Ça veut dire que t'es prêt à t'installer pour de bon? Bah, tu sais quoi? Peut-être, après notre mission. On dit qu'entendre l'hymne, ça vous change un homme. Alors, si jamais je l'entends, ce que j'espère de tout mon cœur, qui sait ce que l'avenir me réserve? Faye l'a entendu. Est-ce qu'elle a changé? Si elle est ressortie changée du Maelstrom, je crois que c'est plus à cause des pertes humaines que de l'hymne. Ah oui, le crypteur au cœur d'or. Disons qu'elle a l'air bien déterminée à la réentendre. Ouais. Une sorte de désir désespéré. Je dois bien admettre que je suis jaloux. De Faye? Ouais, on va dire ça. Owen, t'étais là quand on a trouvé la tombe. Et tu seras là quand on battra l'observateur. On forme une équipe, d'accord? On forme vraiment une équipe? Tu le penses? Oui, je le pense. Et on est ensemble depuis longtemps. On se complète bien. J'aime pas être mis sur la touche, c'est tout. Tout le monde ici te dira à quel point je suis génial. Courageux, intelligent, spirituel. Profite de l'instant présent et patiente encore un peu. Compris. Patience, c'est mon deuxième prénom. Tu sais, cherche pas à te remplacer. J'aurais pas sollicité Faye et Alouk si on n'avait pas eu besoin d'eux. Circonstances obligent. Exactement. Et il faut les attraper au vol parce qu'elles risquent de ne jamais se représenter. Non, je comprends, merci. C'est absolument crucial pour nous. On doit sauver notre peuple du Dominion. L'observateur, une telle puissance. Il y a de quoi être terrifié. C'est un crypteur impressionnant. Qui est aussi lancier, soit dit en passant. Celle-là, je l'attendais au tournant. Ah, tu me connais si bien. Faye, je te dérange? Arden Vassa écrit que la Légion de l'Aube a déchaîné la voix des cieux. C'est sûrement de l'hymne qu'il parlait. J'imagine que ça veut dire oui. Non, pas du tout, au contraire. C'est le gros avantage quand on est crypteur. On peut gamberger sur des milliers de sujets à la fois, avec une vitesse de traitement inaccessible au commun des mortels. Bah, on est de ceux qui ont affronté le Maelstrom et qui sont encore là pour en parler. J'ignore ce qui te chagrine, mais ça ne peut pas être pire que ça. Dis pas ça. Tu provoques le destin à nous faire sombrer dans la folie. Je pense pas que le destin nous écoute. Espérons-le en tout cas. Je te savais pas superstitieuse? Dès qu'il s'agit de l'hymne de la création, la frontière est floue entre science et superstition. Les mystères et les puissances occultes, c'est dans le chapitre 1 du manuel des freelancers. Ce serait pas le chapitre qui commence par « Garde mon verre, je m'en occupe » J'ai fait que le survoler, pour tout avouer. Quelle surprise! C'est agréable d'avoir quelqu'un d'autre que Alouk à qui parler. Owen ne compte pas. Je ferai mon possible pour te distraire. Je t'en suis reconnaissante. En théorie, en tout cas. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on a découvert la dernière
demeure du général Tarsis. J'en ai des frissons. Se tenir dans le tombeau du général Tarsis, ça devient quelque chose. Ça devient une vraie aventure. Cet observateur, c'est quand même flippant ce qu'il peut faire. Et il ne compte pas en rester là. Puisqu'on peut pas y couper, une question. Tu t'en sens capable ? Ah, de l'affronter, je veux dire. J'aurais pas accepté ce travail, sinon. On va le battre. Garde ton assurance. Sinon, ton javelin se bloque. Le lien mental avec ta combinaison est essentiel. Y a moyen de donner le change ? Non. On peut donner le change pour plein de trucs, surtout avec l'âge. Genre quand on se réveille quatre fois par nuit pour pisser dans l'arpenteur. Non, Faye, c'est pas moi qui ai laissé la lunette relever. Mais pour ce qui est d'être freelancer, là, c'est tout ou rien. Et quand c'est rien, tu sais que la vie te réserve un bon coup de pied au cul. C'est là que ça devient intéressant, quand tout part en sucette. C'est ce que j'aime dans la vie de freelancer. Mais c'est aussi là qu'il y a des morts. Oublie pas ça. Toi, t'es toujours debout. Tout le monde peut pas en dire autant. Alors évite de m'obliger à venir te sauver les miches. Rappelle-moi qui a mangé une poche à phéromones de Manticar. Ah oui, moi, pour te sauver. La question, c'est plutôt, qui a été assez bonne poire pour bouffer ça ? Allez, à plus. Eh, merci de m'aider à me dépêtrer de cette histoire de javelin. C'est elle qu'on doit rencontrer. Max ? Freelancer, tu protèges cette bêcheuse ? Si c'est ce qu'il faut pour garantir sa sécurité et celle du fort, ouais. J'aurais pas dit mieux. On veut tous vivre et laisser vivre. Pas vrai ? C'est un bon point pour toi, Aris. Bien. Il pourra s'occuper des négociations. Attends, tu l'as quand même pas énervé, si ? Va savoir. Pas jusqu'ici. Parfait. Ça prend déjà une bonne tournure. Pas si vite. Aris doit une combinaison au régulateur. Point barre. Pour eux, une partie de carte équivaut à un contrat. Elle a essayé de faire une offre. Pas la combinaison, mais quelque chose de valeur égale. Il paraît que ça a dégénéré. Il y a peut-être eu quelques bourre-pifs. Mauvais choix. Le danger, c'est sexy. Quoi ? Non, rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça ? Facile. Elle va bosser pour moi. Pas question. Je fais pas partie des régulateurs. C'est pas ce que je cherche. J'ai besoin d'un freelancer de confiance. Tu travailles pour moi. Que des contrats clean, c'est promis. Et les moins sympas des régulateurs te lâchent la grappe. Ça m'inspire pas trop, tout ça. Si les contrats sont réglo, ça peut être une bonne solution. Une combinaison avec son freelancer dedans vaut plus qu'une combinaison vendue pour pièces. J'ai quelques affaires à régler, et je tiens pas à avoir de sentinelle sur le dos. Ça me sortirait de ce traquenard tout en me remettant sur le terrain. Le danger, c'est sexy. Bon, ok. Le danger, c'est sexy. Quoi ? C'est rien. Marché conclu. Putain, depuis tout à l'heure, je parle et je fais des blagues spontanées et j'ai oublié de mettre le micro. Je suis un peu deg, mais bon. On va voir ce qui se passe un peu en haut. Et on va s'arrêter là pour cette petite aventure forte et riche en émotions. Et j'en passe les autres. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao, je vous aime.